Caulfield! Come on, êtes-vous prêts à voir un monstre, monsieur et madame? Connor McDavid! Boop, boop, boop! Bro, Colita! Bang! Alex Ovechkin! Aïe, aïe, aïe! C'est un privilège que j'ai de pouvoir ouvrir ça avec vous. Solide hit! Sur 15, Jeff Gordon! Oh! Cal McCart! One of one! Caprizov! Ice Premiers Auto-Patch 1-1! Could be the greatest hit ever recorded! Ok, salut tout le monde, c'est Alan pour The Workshop, bienvenue dans votre break 28-02. On a un break d'hockey en cours. Il n'est pas complet, mais on va essayer de le compléter ensemble en live. On va aller voir ça de l'autre côté. Tout de suite, 1, 2, 3, go! Les voici, vos box pour ce break 28-02. On a une B-box là-dedans, avec deux box de Young Guns, pas trop cher. 34,50 le spot main directement. On a un mini disponible aussi, il est à 17,25 pour un top 5. Donc un top 5 gagnant pour le main. Salut Snake, bonsoir! Que vous allez bien, messieurs, mesdames, sur toutes les plateformes. On va essayer de remplir ce break ensemble ce soir. On va juste aller voir ici. Comme ça. On va mettre ça à jour, tabarouette. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau week-end. On a un break de hockey en cours, break de baseball aussi en cours. Et voir ça si vous n'avez pas votre spot encore. Vous avez le break de hockey devant vous, en fait, il est plus qu'à moitié plein. Il reste, on disait tantôt, je pense, une 14 spots. Il reste 14 spots au niveau du main. Je vais le mettre à jour immédiatement. On a le mini aussi qui est en cours. Il reste 8 spots à 17,25 pour un top 5. Donc, une chance sur deux, tabarouette. Une chance sur deux. Donc, 10 et 28. On va mettre à jour ici. Sur le main, on a des mini-1 qui avaient été choisis. Je vais le mettre à jour dans votre écran, dans pas trop long. Donc, bien sûr, si vous voulez des spots comme à l'habitude, vous pouvez le mentionner directement sur le live. On va vous taguer directement sur le post. C'est toujours les commentaires sur le post qui demeurent prioritaires. Donc, voilà, si vous voulez un spot, dites-nous-le. On va vous taguer au bon endroit. Voilà, comme ça. Comme ça et comme ça. Et comme à chaque fois, ben, ça va nous prendre un starter. Ça va nous prendre quelqu'un qui va nous décoller ça. Pendant que je mets à jour le post rapidement. En ce lundi de Pâques, 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Donc, on est à jour. Je vais mettre ça à jour sur votre écran dans les prochaines secondes. Comme ça, on a présentement les Leafs qui jouent contre les Panthers. Et c'est 3-1 les Leafs en début de deuxième période. Donc, on va mettre ça à jour. Maintenant, un petit copier. Comme ça, on s'en va sur votre écran maintenant. Comme ça. Voilà, on met ça à jour. On est OK. Donc, si je recompte vite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il reste bel et bien 14 spots pour le main. Et au niveau du mini, il reste 8 spots directement. Un spot random, parfait. Snake, je vais te taguer directement sur le main, s'il te plaît, pour que tu puisses mettre ton commentaire. Snake, fait juste me rappeler, je veux juste être sûr de ne pas me mêler. C'est bien Kevin, hein, si je ne me trompe pas. Je vais juste attendre ta confirmation. Je vais te taguer au bon endroit directement. Pas mal sûr que c'est Kevin, mais je veux être sûr. Question de ne pas me mêler. Donc, les boîtes que vous avez pour ce break-là, vous les avez devant vous. On a une série 2, 21, 22. Entre autres, là-dedans, il y a un certain Quentin Byfield qu'on peut sortir. Lucas Raymond est là-dedans. Entre autres, c'est en plein ça. Parfait, Kevin, je viens de te taguer à l'instant. Donc, juste aller mettre ton commentaire comme quoi tu veux un spot. On va te placer ça immédiatement. Merci beaucoup, Kevin, de starter le tout. Donc, c'est ça. Dans la 21-22, on a entre autres Byfield, Raymond, Mason McTavish avec les Ducks. Dans la série 2, 22-23, bien sûr, plus récent un petit peu, vous le savez, il y a Slafkovsky, Johnston, Clark, entre autres, là-dedans. Ce sont de belles boîtes. Et on a une B-Box qui est à l'arrière. Donc, 34,50 pour gagner peut-être un jersey d'un gros nom. Ça fait pas cher. Ça fait pas cher. Donc, Kevin, je t'ai donné le 26. On va aller l'ajouter à l'écran ici. Comme ça ici, c'est fait. Merci beaucoup. J'ai eu Slafkovsky dans un blaster cet après-midi. Envoyez dedans. Ça, c'était le fun. Ça fait des belles surprises, tabarouette. Blaster, c'est toujours dans ma tête à moi. C'est toujours comme une petite boîte bonus. Pas trop cher. Puis des fois, on peut avoir des Moses de belles surprises. C'est assez plaisant. Donc, il nous reste 13 spots au niveau du main. On va l'avoir. On va essayer de breaker ça ce soir. Parfait, merci Kevin pour ton commentaire, ça vient de rentrer. Excellent. Donc, reste 13 spot main et 8 mini. On est déjà en live présentement. On foule ça ensemble. Voilà, comme cela. S'il y en a qui sont plus ou moins à l'aise, gênez-vous pas pour les questions. Vous savez, on est là pour ça. On va vous aider, on va vous diriger au besoin. Ensuite de ça, on va vous décoller les préfils de SP Game News, dont vous a sorti un petit sondage tout à l'heure. Donc, sondage sur les préfils de SP Game News qui sort normalement ce mercredi, là, à moins que ça ait changé de date de mémoire, tout tient la route encore. Donc, voilà, on vous a fait un petit sondage. Je ne sais pas, j'allais le chercher. Jusqu'à maintenant, on a une trentaine de votes qui sont rentrés. Voyez-vous, 50% des gens ont voté pour un 3 box. Un 3 box à la fois. Après ça, on a 36%, donc un peu plus que le tiers, qui ont voté pour un 6 box. Donc, 11 personnes qui ont voté pour cette option-là. Donc, fort probablement qu'on va jouer dans ces deux options-là pour vous sortir les préfils. On parle bien sûr des teams random. Par la suite, ben, on va vous construire bien sûr des teams select. Probablement pour la fin de l'après-midi, demain. On va travailler là-dessus pour vous construire ça, pour être sur la coche. Bien sûr, les teams select de 23-24. Chicago, toujours random dans nos breaks. Donc, tous ceux qui embarquent dans le break, ben, si vous voulez prendre des petites équipes pour prendre la chance de gagner Chicago, ça peut être une bonne façon de faire. Si vous voulez y aller avec les autres grosses équipes qui sont disponibles, par exemple, parce qu'il y a des bonnes recrues, 23-24, on s'entend, ben, vous pouvez y aller avec ce choix-là aussi. Ça vous donne toujours une option de gagner Chicago par la bande. Donc, chaque équipe va vous donner droit à une chance, dans le fond, pour remporter les Blackhawks. Et je ne sais pas si vous avez vu les previews un petit peu. Je peux peut-être vous apporter, voir ça. Attendez un peu, mettons. On avait dans le preview que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Attendez un peu, je le trouve. On avait vu des DDM, les fameuses draft des marks. Si vous ne les connaissez pas, en fait, ce sont des lettres singulière, autographiée, chaque lettre est autographiée, puis ça vous permet de faire le nom complet du joueur, mais habituellement, ils sont numérotés sur 35, donc ça rend la chose pas évidente à faire. Puis là, ben, vous devinerez bien que avec Bédard, ça risque de se vendre quand même assez cher. Salut de Gabo sur TikTok. Ça va être fort probablement assez impressionnant. Mais si vous allez voir sur des sites comme Beckett ou Cardboard Connection, vous allez pouvoir voir les checklists, vous allez pouvoir voir les photos du produit aussi. Là. Le produit a de l'air très sur la coche. Mettons que je vous partage mon écran là, pendant qu'on est là. Si parfois vous voulez des spots pour le break qui est en cours, vous avez les spots qui sont à la gauche. Il reste ça de disponible pour le moment. Hey, merci de Gabo, c'est apprécié. Merci pour les bons mots. Salut, c'est le Gilles sur Twitch. Je vais vous partager mon écran tout de suite comme ça. Voyez-vous, on est sur le site de Beckett présentement. Et c'est ça, c'est l'SP Game Used. Donc, vous avez les bases. Ici, c'est les True Base. Donc, sur 97, habituellement, sont toujours numérotés sur le numéro du joueur. Dans le cas présentement, c'est McDavid. Personnellement, vite de même, juste avec la photo, je trouve que les cartes sont déjà plus sharp que les années passées. J'aimais beaucoup le produit déjà, mais on a les Hughes entre autres, voyez-vous, 43-49. Les Jersey, ça ressemble à une patch pas mal plus qu'un Jersey, mais Jersey Auto, 49 sont belles en s'il vous plaît. Les Hughes qui est très solide. On a toujours les Netcord qui sont là. Donc ici, on a Jack Eichel qui est là, de la Stanley Cup Final. En 2023 avec les Knights, numéroté sur 5 seulement, donc ça fait des belles pièces. Salut Jérémy! Donc ceux et celles qui aiment ce genre de patente-là, c'est assez le fun. Une petite nouveauté qu'on n'a jamais eue auparavant, mascotte. Une patch de Gritty, là, moi j'avais jamais vu ça avant, c'est malade. C'est quand même malade. Et là, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à... J'essaie de regarder pour les mascottes. Going in a slightly different direction... All-Star Mascot Fabrics, une au 6-pack. Donc, à chaque 6 boîtes, on devrait en avoir une. Instead of players, these highlight teams cornerstone creatures with swatches from even work All-Star festivities. OK, des patchs sur 35 aussi, des tags sur 3, puis des team logos 1 de 1 qui sont available aussi. Donc, ça se peut qu'on pointe des mascottes suite au... c'est le match des étoiles qui parle, là. Fait que c'est quand même assez cool. C'est Gabo qui me pose la question, c'est quand que tu en fais du basketball? Ça s'en vient, Gabo, en fait. Si la commande n'est pas passée, elle est sur le bord d'être passée. On a des boîtes qui vont s'en venir. Je vous dirais, si c'est pas cette semaine, je me croise les doigts pour la semaine prochaine. Mais on va en refaire, c'est sûr. Vois-tu, Slipknot, j'ai vu que tu avais marqué un commentaire, mais il vient de disparaître. J'ai pas eu le temps de le lire, Moses. Il va pas rester assez longtemps. Des fois, tu veux faire un copier-coller, gêne-toi pas, j'ai vraiment pas vu ton commentaire, j'ai pas eu le temps de le lire, Moses. Si je continue vite, on a toujours les fameuses Supreme Patches qui sont complètement malades habituellement. On n'en sort pas souvent, mais quand on en sort, habituellement, sont sur la coche, hein, s'il vous plaît. Les Ink Rookie Sweaters, dans le cas ici, on a Ed Vincent avec les Wings, avec une solide patch, tabarouette. Les Deep Cuts, ça, c'est une première, il n'y en avait pas auparavant. SP Game News, les spots doivent s'envoler comme des petits pains chauds. On va le sortir demain, Slipknot. On va starter ça demain. Dans le fond, comme je vous ai expliqué tantôt, on vous a sorti un petit sondage sur le groupe tantôt pour voir quelle formule vous aimeriez avoir. Ben, regardez bien, je peux vous le montrer. Là. Je partage mon écran tout de suite. Là. On va faire un petit refresh. Voilà, ça, c'est le petit sondage, dans le fond. On vous a sorti ça, soit 6 boîtes, soit... Parce que dans le fond, les caisses ont 18 box. C'est un drôle de chiffre, vous allez me dire, mais c'est ça. Fait que soit qu'on vous sort un 6 boîtes, un 3 boîtes ou un 2 boîtes à la fois, puis on fait ça toute la journée. Puis à date, ben voyez-vous, on a 30 votes ici, puis sur les 30, ben c'est ça, il y en a une quinzaine qui ont voté pour un 3 boîtes. Fait que probablement qu'on va y aller avec des 3 et des 6 box jusqu'à maintenant, c'est pas mal ça qui domine. Ça, c'est notre break en cours, notre break d'hockey avec les box qu'on a ici sur l'espace de travail. Il reste 13 spots, je vous rappelle, si vous voulez prendre un spot, allez-y. Mentionnez-nous ça ici sur le live, on va vous rediriger à la bonne place. Donc voilà, si je reviens au SP Game News, ça c'est les photos sur Beckett. On va aller voir Cardboard Connection, voir s'ils nous montrent les mêmes photos. SP Game UZ. On va aller voir directement là. Oh yes, on va essayer, Snake, on va essayer. Donc, voyez-vous les mêmes bases, la même look use ici. Ça, c'est les fameuses DDM que je vous parle, les fameuses draft des marks ici. Là. Donc, ici, on a Matthew Nice. Donc, chaque lettre, c'est une carte différente. Puis, ben, évidemment, ça fait un bon défi, un bon gros défi d'essayer de collectionner le nom complet de vos joueurs préférés. Dans le cas de Nice, ici, il y a 5 lettres, mais il y en a des fois que le nom est pas mal plus long, fait que c'est un solide défi d'Abarouette, là. De Gabo qui me pose la question, est-ce que tu en fais sur la WWE? Oui, on en a fait par le passé. Ça arrive un petit peu moins souvent, par contre, parce que là, il n'y a comme plus de produits qui sortent ben, donc c'est difficile d'en avoir présentement. Fait qu'on est comme sur pause un peu avec la lutte, mais on en a fait de temps en temps, ouais. Tu devrais faire un sondage à savoir si les crédits break inclus devraient être tirés parmi les hitless ou en faire un exclusif aux hitless. Ça peut, on peut faire ça, absolument. Absolument. Combien de packs par boîte? Est-ce encore 4? Non, c'est toujours un, Jérémy, pour le SP Game U. C'est juste un pack qu'il y a là-dedans. Ça fait plusieurs années que c'est ça. Salut, Jovi. Oui, par rapport au hitlist, Slipknot, c'est une bonne suggestion. Nous, par contre, ce qu'on offre depuis longtemps, c'est la promo hitlist, parce que dans chaque break qu'on fait, il y a déjà une promo avec les hitlist qui fait que vous pourriez remporter une boîte de cartes. Fait que oui, on peut le diviser puis vous donner un petit 5$ random parmi tout le monde à chaque break qu'on va faire. Mais on trouvait ça mieux de juste le faire une fois, mais de donner une boîte de cartes. On trouvait ça plus plaisant. Donc de faire une promo qui était comme ça. Puis ça fait, mon Dieu, ça fait longtemps. Je pense que ça fait 3, 4, 5 ans qu'on fait cette promo-là. Et te laisse en fait. Merci Demers pour le follow sur TikTok. Je me dois de mélanger avec le SPX. Oui, ouais, c'est exactement ça, Jérémy, en fait. 2021-22 était la dernière année avec 4 paquets. À partir de 22-23 SPX, c'est un paquet seulement. Moi, pour du basketball, j'aurais une boîte scellée de 96 Fleer X2000 si jamais avance. C'est quelque chose. Je pense pas qu'on est prêt à faire ça, par contre, mais ça doit être une belle boîte. Je les connais pas par cœur. Je pourrais pas vous dire au niveau basket. Je vous reviens à ce que vous avez sur l'écran avec les fameuses DDM. C'est ça souvent qui est collectionné le plus au niveau du SP Game News. Donc là, dans le 23-24, ben, vous devinerez bien qu'on a Bédard là-dedans, bien sûr. Donc bien sûr, les lettres vont être collectionnées sur un méchant temps, là. Si on continue de descendre, c'est pas mal les mêmes photos avec Gritty qui est là, les Netcord, les Supreme Patches. Ça ressemble pas mal à ça. Si je regarde vite, vois-tu, le checklist, il n'est pas ici encore. Est-ce qu'on a le checklist au complet ici? Oui, sur Beckett, il est là, voyez-vous. Si on fait une petite recherche, on regarde Bédard, ben voyez-vous, on a la True Base, Authentic, Rookie. Donc la True Rookie ici sur 98. Fait que Bédard, il est là. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a la 1 de 1, bien sûr, qui ça va être quelque chose. Numéroté sur 123 ici. On parle de quoi si je remonte en haut? Les Gold Checklist. Après ça, la 1 de 1 auto. On en a une sur 5 qui est auto aussi. Et sur 218, qu'est-ce que celle-là? C'est les Red Checklist. My God, qu'il y a de la carte là-dedans. Des fois, ça peut être pratique d'y aller comme ça, mais on va vous montrer une autre façon. Il y en a par team. On peut y aller par Teams sur Beckett. Si vous ne connaissez pas cet outil-là, c'est assez le fun. Le Credentials, Rookie de Kobe Bryant sur 499. En PS10, c'est vendu 647 000 US. Ouais. C'est quelque chose, mettons. Alors, c'est une solide boîte que tu as. Mettons qu'on y va par 7. On va aller voir les Blackhawks. Voici ce qu'il y a de disponible avec les Blackhawks dans le SP Game News. Donc, vous avez les bases qui sont ici avec les numérotations. Donc, Korchinski sur 55. Donc, quand je vous parlais de True Base, c'est exactement ça. Ça va être par rapport au numéro du joueur. Donc, cette Jones, ben, il est numéroté sur 4 seulement. Bédard, c'est le 98, donc numéroté sur 98. Ensuite, les Retro Rookies, 01, les 034, les Rookie Debut. Les mascottes avec Tommy Hawk, les mascottes que je vous parlais tantôt. Les patchs 1 de 1. Après ça, les All-Star Skills, ça c'est des jerseys, des patchs reliques. Les Netcord, on a 7 Jones pour les Hawks. Les Netcord, on a aussi Bédard sur 35. Ça va être quelque chose, ça. Première fois qu'on a ça. Piece of History Jersey, Patrick Kane, Marián Hossa. Des Banner Year de Bédard. Des Draft Autographes de Bédard sur 10. Vous avez des autos ensuite. Ici, ça, c'est les Base Auto. Donc, on a les Short Print, c'est Chelio. Super Short Print, Korchinski et Bédard. Base Jersey. On a les Deep Cuts que je vous ai montré tantôt. Donc, Bédard avec Team Canada sur 250. Sérieux, il y a du stock, là. Voyez-vous, puis ça botte jusqu'en bas ici. Les Rookie Sweaters, avec auto, sans auto. Rally Time Towel Relic. Ça, j'ai hâte de voir. J'ai bien hâte de voir de quoi il s'agit. Probablement les... Tu sais, des fois, ils mettent des towels dans les arénas, là, les... comment en français? Des serviettes, des débarbouillettes, des... Je sais pas comment appeler ça, mais bref. Peut-être que c'est quelque chose comme ça. C'est un bout de ça, peut-être. Il voit des Hall of Famer ici. Michel Goulet, Belfour, Bobby Hall. Bref, il y a du Bédard à souhait là-dedans. Ça va être le fun. Puis comme je vous disais tantôt, dans les teams select, Chicago va être random parmi tout le monde. Donc, tout le monde qui achète une équipe dans les teams select va avoir une chance de gagner les Blackhawks. Donc, si des fois, je vous ramène sur notre écran, si des fois il y en a qui veulent prendre une chance en achetant plusieurs petites équipes pour gagner les Hawks, ça peut être une façon de faire comme une autre. Donc, je vous remonte le break qui est en cours. Si des fois vous étiez plus ou moins au courant, c'est notre break 2802, pardon. Il nous reste 13 spots seulement à combler. Vous les voyez à la gauche de votre écran. Donc, le 1, 3, 4, 6, c'est disponible. 13, 17, 16. 21, 24, 27, 29, 31, 32, c'est dans le main. Le mini, lui, il reste 8 spots seulement. Donc, le A, le B, D, E, F, G, le I et le J. Donc, à 17-25, c'est un top 5. Le 27 octobre 2021, la dernière vendue pour 617 000. Ben, c'est pas grave, ça reste un solide montant. Jovi, c'est quelque chose, mettons. C'est quelque chose. C'est une très, très belle pièce à garder dans sa collection longtemps. Mais je pense pas qu'on est prêt à faire un break avec une boîte de cette ampleur-là, je vais le dire de même. C'est assez quelque chose. J'ai un problème, je t'entends pas, pas de son. D'après moi, Denis, tu me fais un poisson d'avril, je vais le dire de même. Là. Feeling, feeling. C'est mon feeling. Donc, où est-ce qu'on en était? On va aller voir sur le post directement. Ah, voilà, Denis, j'ai deviné ton jeu, tabarouette. Comme ça. On a le break de baseball aussi qui est en course. Des fois, vous ne l'avez pas vu. Il nous reste 18 spots. On est presque à mi-chemin. C'est un spécial Bowman. 6 boîtes dans ce break-là de balles. Salut, Jay. Moi, j'ai pas mis Gordie Howe. Canvas noir et blanc. Il est-tu bon, Gordie? Il est excellent, Gordie. Il était excellent. Salut, Ben. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, tout le monde. J'espère que vous passez un beau week-end jusqu'à maintenant. On essaie de le finir en beauté. Bon, week-end extensionné, on s'entend. Le lundi de Pâques, il y en a plusieurs qui sont en congé. Notre sondage va très bien. Ici aussi, plusieurs votes de rentrée. Le break de hockey, ben c'est ça. Il nous reste 13 spots. Donc, si vous voulez un spot directement, vous pourriez remporter le chandail autographié, nos fameuses B-Box. Un gars, c'est ça, t'es trop prévoyant. Ah, je me suis trop fait avoir. C'est l'expérience, Denis, ça. C'est l'expérience. C'est ça, les petits poils de lait dans la barbe. C'est ça. C'est ça. Je le rate 3 sur les 1000 meilleurs. Écoute, j'ai jamais fait un classement tel que ça, mais très certainement, il fait partie des meilleurs, en effet, Jay. Donc, voilà. Si je vous rappelle vite les boîtes que vous avez en avant de vous, ben vous avez la série 2, 21-22 ici, dans cette boîte-là. Si je vous fais un petit check-up vite, on a entre autres un certain Quentin Byfield, on a Raymond avec les Wings, on a Mason McTavish, donc il y a des bonnes Young Guns dans ces box-là. La deuxième ici, c'est la 22-23 série 2. Et celle-là, ben, vous la connaissez peut-être un petit peu plus parce que c'est plus récent. Entre autres, on a beaucoup de joueurs du Canadien là-dedans. Il y a Arbor Jack Eichel, Wi-Fi, il y a Caden Goulet, il y a Slafkovsky, bien sûr. Il y a Monsieur Johnston. Ouais, Wyatt Johnston avec les Stars, vous irez voir ce gars-là, il va être à surveiller, hein, s'il vous plaît, dans les prochaines années, il est déjà solide. Brent Clark aussi avec les Kings, entre autres. Donc ça aussi, on peut en sortir de belles. Et by the way, avec ce break-là, notre Bounty High Gloss est à 1500$ exactement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vous sort une High Gloss dans ces deux box-là, on vous remet 1500$ en crédit break. Et vous avez la B-Box, donc ça c'est la grosse boîte qui est ici à l'arrière. Il y a des jerseys autographiés là-dedans. C'est aussi simple que ça. Donc, qui on va sortir? On le sait pas. On ne connaît pas le checklist par cœur. En fait, moi, je le connais. Et je peux vous dire que c'est la meilleure édition qu'on a faite, la 3e. Jusqu'à maintenant, qui on a sorti comme jersey là-dedans? Je peux vous montrer. Vous allez comprendre pourquoi c'est une bonne idée d'embarquer. Parce qu'il y a du gros stock là-dedans. Mettons que je vous le montre. Hein? Jusqu'à maintenant, on a sorti un Mark Scheifele avec les Jets. On a sorti ensuite. Là, il faut que je fasse attention pour ne pas me mêler de piton, bien sûr. Pour pas vous montrer ceux qui s'en viennent. On a ensuite Nico Ischier qui est sorti avec inscription. C'est un inscribed. On a sorti ensuite de ça un Simon Gagné. Une belle surprise avec les Flyers. On ne croise pas ça bien souvent. Ensuite, on a sorti... Bougez pas, je le cherche. Un magnifique Quinn Hughes. On a sorti ça, je pense, c'était dans la 2e boîte qu'on a ouverte. C'était ce Quinn Hughes. Et regardez bien ça, le gros qu'on a sorti il n'y a pas longtemps, un Jean Béliveau. Ouais, ça aussi, c'est beau. C'est très beau. Donc, on a sorti ces 5 jerseys-là à date dans notre 3e série de B-Box. Il en reste 20. Et quand je regarde les petites photos que j'ai sur ma petite machine ici, là, c'est quelque chose. D'après moi, vous ne voulez pas manquer ça. Vous pourriez dire, par exemple, « Hey, c'est incroyable, pour 34$, j'ai gagné ce jersey-là. » Parce que c'est ça qui va arriver dans ceux qui sont dans ce break-ci. Donc, voilà. Donc, si vous voulez les spots, vous les voyez à la gauche de votre écran, en bleu, vert, turquoise. Les spots qui sont disponibles sont là. En blanc, juste à côté, c'est le mini numéro 2. Et ce mini-là, dans le fond, peut vous permettre de prendre une chance de payer moins cher pour avoir... un spot directement dans le main. Donc, dans ce cas-ci, c'est un top 5. Donc, vous avez une chance sur 2. Voilà. Et là, Jérémy qui prend un mini. Jérémy, merci. On est sur le post directement. Jérémy, on va te donner le E. Donc, le E pour Jérémy ici. On va le placer sur votre écran aussi. Que vous puissiez suivre ici. Donc, un spot de plus de partie. Jérémy, merci beaucoup. Donc le E, voilà, c'est parti. On va faire un refresh, on va aller voir si on a d'autres spots qui sont partis sans qu'on s'en soit rendu compte. De ce côté-là, ça va bien. Donc voilà, donc il nous reste 13 spots main, 7 spots au niveau du mini. Donc, gênez-vous pas que vous soyez sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, même sur TikTok. Laissez-nous un commentaire dans le chat. On va vous rediriger au bon endroit sans problème pour que vous puissiez prendre votre spot. Donc, voilà. Ça, ça va bien. Ça, ça va bien. Ça, ça va bien. Pour ceux et celles qui se posaient la question, parce que je viens de voir passer la question sur un de nos posts. Au niveau baseball, il y en a plusieurs qui nous demandaient des jerseys au niveau du baseball. On vous a fait déjà une première série et là, on est en train de vous construire la 2e. Et elle est dans le fourneau et je vous dirais qu'on travaille fort pour vous la sortir dans une question de semaine. Si pas la semaine prochaine, peut-être l'autre. On va essayer de vous faire ça au plus rapide, mais on a bel et bien des jerseys baseball qui s'en viennent. Comme on a aussi du football présentement, on en a des jerseys football, des B-Box. On a notre première édition qui en contenait 5. Il y en a 3 de sorties jusqu'à maintenant. Ça aussi, je peux vous les montrer, tabarouette. On en a 3 de sorties. On avait un Josh Jacobs avec les Raiders. Là, on le sait, il a changé d'équipe. Il est rendu avec les Packers, Monsieur Jacobs, mais très, très bon running back. On a sorti aussi un Justin Herbert, QB des Chargers. Assez plaisant. Et on a sorti comme premier jersey, imaginez-vous donc, un Ray Lewis avec les Ravens. Assez quelque chose. Et il en reste 2 autres. Puis je peux vous dire qu'ils sont très solides. Manquez pas les 2 prochains breaks de foot. Ça va brosser. Voilà. Donc, au niveau des jerseys de baseball, si je reviens là-dessus, donc il va y en avoir. C'est une question de temps. Bien sûr, juste le temps qu'on puisse finaliser le tout. Vous montez ça comme il faut. Vous savez, on est une petite équipe. On travaille fort pour vous monter ça. Puis d'habitude, on fait ça douette. On n'aime pas ça quand c'est tout croche. Donc, on aime mieux prendre un petit peu plus de temps, mais être certain que ça soit... sur la coche. Moins que 2 semaines. Oh! Alors, Phil nous confirme sur Twitch que c'est moins de 2 semaines pour les jerseys baseball. Merci, Phil, pour la précision. Donc, voilà. Je pense qu'on a un spot qui vient de partir aussi. Je viens de voir passer ça dans les commentaires. Alex qui prend le F. Merci, Alex. Donc, on va mettre ça sur le post ici. On va mettre ça sur votre écran aussi en même temps. Voilà Alex qui prend le F. Il nous reste seulement 6 spots avec ce mini-là. Donc allez-y si vous voulez directement sur le post ou sur le chat. Allez-y sur le chat. Je vais vous taguer au pire au bon endroit directement. Vous n'aurez pas besoin de chercher. Si des fois, j'en profite là, pour vous en parler, là, je vais vous repartager mon écran parce que j'y pense. Comme ça ici. Donc ça, on est sur le post. On est sur le groupe, pardon. On est sur le groupe Workshop, c'est ça. Si des fois vous cherchez quoi que ce soit, là, allez directement sur le groupe de Workshop Group Break. Vous l'avez ici. Vous arrivez là-dessus. Vous faites votre demande pour adhérer si des fois vous n'êtes pas sur le groupe. On place toujours notre horaire dans la bannière. Donc ça, c'est notre horaire de la semaine. Donc cette semaine, ben, je vais avoir congé samedi. C'est ça. Le reste, ben, on va s'amuser ensemble. Après ça, vous avez la section à la une, Featured ici. Et ça, là-dedans, vous avez toujours les breaks en cours. Donc, quand vous cliquez là-dessus, ben, vous êtes directement à bonne place. Puis, quand vous tassez un petit peu à droite, ça se peut qu'il y en ait d'autres. Donc, regardez ça comme il faut. Comme là, ici, c'est notre promo High Gloss. Ça, c'est notre tag sur demande. Donc, c'est notre système de notification par texto. Si des fois, vous voulez être sûr de ne pas manquer vos breaks préférés, par exemple, vous cliquez là-dessus. Il y a un petit lien qui vous amène à la bonne place. Vous rentrez vos informations personnelles. Et par exemple, vous dites, moi, je vais avoir un tag pour les breaks de baseball. Ben, vous taguez baseball. Nous autres, on va vous envoyer un texto quand le break de baseball va sortir. Comme ça, on vous tague seulement avec ce que vous voulez. Puis si ça ne vous intéresse pas, ben, vous ne vous inscrivez pas. Jamais on va vous taguer. Jamais on va vous achaler. Ça va être le fun de même. Salut David, un spot main, un spot mini. David, je vais te taguer au bon endroit, s'il te plaît, pour que tu puisses mettre les commentaires sur le post directement. Vous allez voir, c'est ce que je vais faire ici. Donc, on va taguer David. Donc, David ici, voilà. Sur le mini, David, t'es tagué. On va aller chercher le main ici. On fait ça simplement pour garder l'ordre des commentaires. Tout simplement parce que s'il y a des gens qui commentent en même temps sur le live, dans le commentaire, c'est moi qui l'ai pris avant, c'est pas moi, ça peut faire des chicanes. Donc, on fait juste les commentaires sur le post directement. On est sûr de garder l'ordre dans lequel les commentaires rentrent. Donc, c'est legit pour tout le monde. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et on a Kevin qui prend le A et le J ici au niveau du mini. Donc, Kevin, merci beaucoup. Donc A et J, on rajoute ça. Donc A et J sont partis. On met ça à jour, vous pouvez voir qu'est-ce qu'on fait. On fait tout le temps ça, c'est tout le temps ça. Toutes les fois que vous prenez un spot, on va mettre le break à jour comme ça. Vous me voyez faire là. C'est ça qu'on fait, tabarouette. Donc j'allais bien, merci pour les deux autres spots. On a tagué David. Ça, c'est le break de balle. Vous voyez mon écran toujours. Hein? Ça, c'est le gros break de balle qu'on a présentement. 6 box de Bowman. Donc, il y a les deux box hobby au centre, la 2021, la 2023. Et on a 4 méga box autour. Entre autres, une draft. Salut, François! Entre autres, une Bowman draft 2021. Bref, ça va être assez plaisant comme break. On est presque à moitié dans ce break-là. On a des minis de sortie aussi, bien sûr. Si vous aimez mieux passer par les minis et prendre une chance de payer moins cher... Donc, parfait. David qui vient de commenter. Merci, David. On va t'ajouter ça tout de suite. David, on va y aller dans le haut. On va te donner le 4. Tiens. David avec le 4. On va aller te donner un mini aussi au passage. On va l'inscrire comme ça. Donc, David avec le mini. Et David, on va y aller avec le I cette fois-ci en bas. Et on va mettre ça à jour sur votre écran. Je vais vous ramener en live avec les box qui sont disponibles pour ce break-là. Ici. Donc, on va mettre ça à jour. Le mini qui est presque plein. Voilà comme ça. Il nous reste 3 spots au niveau du mini. On va mettre à jour le main aussi. Lui aussi, ça s'en vient. On n'est pas plein, mais ça s'en vient. Tranquillement, mais sûrement. Comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il reste 12 spots au niveau du main. Et le mini, mais il en reste seulement 3. Il reste seulement 3 spots au niveau du mini. Qui va nous closer ce mini numéro 2? Donc, 17-25 au niveau du mini. C'est un top 5. Donc, ça veut dire que vous avez une chance sur 2. De gagner un spot dans le main. Comme ça ici. Donc, reste 3 spots. On va l'indiquer sur le poste. Et là, ben, chose que vous ne voyez pas habituellement, ben, je vais rentrer les paiements en même temps. Donc, ça va être, on va prendre de l'avance. Donc, aussitôt que ça va se fouler, on va être prêt à rouler ça ensemble. Comme ça ici. Et on est dans le 28-02. Le mini 2 ici, 17-25. Donc, on va commencer à rentrer les paiements. Et là, vous comprendrez que je ne vous partagerai pas mon écran pour ça. On va rester de l'autre côté. On va faire ça de l'autre côté. Comme ça, comme ça, comme ça. Toujours bien important, by the way, pour les nouveaux qui sont là, d'envoyer vos paiements le plus rapidement possible. Quand tout est confirmé, simplement une question de respect envers les autres qui envoient leurs paiements rapidement. Donc, et nous, ça nous permet de rester efficace aussi et de pouvoir vous faire le break le plus rapidement possible. Donc voilà. Donc David, c'est déjà rentré, tabarouette, David, ça va vite. David, c'est déjà rentré. Merci beaucoup. Merci de votre assiduité. Ça se dit-tu de même? C'est pas un mot que j'utilise bien souvent. Et bien ensuite, on va aller faire ça ici. Deux fois ici, deux fois là. Deux fois là. Donc ça va être un beau break pour vous ce soir. Aussitôt qu'on remplit ça, on va être prêt. Donc, je fais ça à mesure que je vous parle. Merci de votre patience de ce côté-là. Ça comme ça. On est presque à jour ici. Ça, ça va. Ça, ça va. Donc, à date, tous les paiements sont déjà rentrés pour le mini. Donc, il va seulement rester ceux qui vont closer ça. Ça va bien. Merci, messieurs. Voilà. Donc, il nous reste 3 spots pour le mini. Qui va nous closer ça? Il reste le B, le D et le G seulement. Pour vous autres, je sais qu'il y en a des fois qui sont superstitieux, prennent une lettre tout le temps la même. Des fois, il y en a qui vont y aller selon leur nom, le nom de leurs petits-enfants, peut-être, de leurs enfants tout court. Donc, on semble à jour un peu partout. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Reste 12 spot main et 3 mini. On va y aller sur les commentaires comme ça. On va rester à jour. Comme ça et comme ça. Je vous rappelle qu'on a notre sondage qui est en cours pour les préfils de SP Game News qui sort ce mercredi. Nouveaux produits 23-24, hockey, entre autres avec les drafts des Mercs, les DDM. Donc, ça sort mercredi. On va vous sortir les préfils demain. On vous a sorti un sondage, en fait, pour savoir votre intérêt, quel format vous aimeriez le plus. Donc, on vous a sorti des formats, soit 6 boîtes, soit 3 boîtes, soit 2 boîtes avec les prix. Et à date, voyez-vous, avec plus d'une trentaine de votes jusqu'à maintenant, on a plus la moitié des gens qui ont voté pour le 3 box. Donc, attendez-vous à ça demain. Salut Fred, sur TikTok, on me pose la question comment faire pour participer à tes breaks. Fred, je te partage mon écran à l'instant. Tu vas comprendre assez rapidement. 1, 2, 3, go! Voilà. Présentement, notre site Internet n'est pas encore en fonction. C'est sur le bord. On est en train de le construire. Fait en attendant, tu dois passer par le groupe Facebook. Tu n'as pas le choix. C'est celui-là ici. Donc, tu dois rentrer les 4 mots dans ta recherche ici. The Workshop Group Break. Donc, tu vas arriver à nous. Bien important, faire attention parce qu'il y a une page Workshop. C'est nous aussi, mais il y a un groupe. C'est sur le groupe que les breaks vont être situés. Donc, fais ta demande d'adhésion. On va aller t'ajouter. Et dans la section à la une qui est juste ici, Featured, si ton Facebook est en anglais, ben vous avez toutes les breaks qui sont en cours. Et à chaque jour, on sort un horaire aussi. Fait que vous savez à quelle heure sort quel break. Donc, c'est plus facile de s'y retrouver. Donc, si par exemple, on cherche le break d'hockey, ben celui qu'on est en train de faire, on clique là-dessus, puis vous avez toutes les informations qui sont là. Les boîtes, vous avez le prix qui est en haut juste ici. Vous avez ensuite les spots et ceux qui sont disponibles. Et vous avez toujours une photo, bien sûr, qui vous montre les boîtes. Dans ce cas-ci, série 2, 21-22, série 2, 22-23, avec une magnifique B-Box. Les B-Box, c'est quoi? C'est un jersey autographié, tout simplement. Donc voilà, Fred, si tu as des questions, gêne-toi pas. Ça va me faire plaisir. Si tu fais ta demande d'adhésion, au pire, dis-moi-le. On va aller t'accepter. Tu vas pouvoir y aller directement. Donc, aussi simple que ça, tabarouette. C'est facile de même. C'est facile de même. Donc, ça, ça va. Ça, ça va. Et ça, ça va. Donc, good. C'est très clair. Ben, il n'y a pas de trouble, Fred. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Gênez-vous pas que vous soyez à partir de n'importe quelle plateforme. On va vous rediriger au bon endroit sans problème. Louis-Philippe qui prend le dé. Louis-Philippe, je vais te taguer sur le mini directement pour que tu puisses mettre ton commentaire. On va aller te placer ça. Voilà, c'est fait. Le 19 main aussi. On va aller t'ajouter ça. Louis-Philippe, voulais-tu que je te tague directement sur le main aussi ou si t'étais OK? Donc, Louis-Philippe, le 19 s'est ajouté. On va faire un petit refresh. Donc, le D au niveau du mini. Le 19, c'est fait. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Donc, il reste 2 spots seulement au mini. Ça va nous prendre un closer. Qui va nous closer ce mini? Donc, voilà, c'est ajouté. On va mettre ça à jour dans votre écran aussi, ici. On va mettre ça à jour ici, comme ça. Ensuite, on va faire la même chose avec le main. Comme ça ici. Donc, c'est ajouté pour Louis-Philippe. Louis-Philippe, merci beaucoup! Il nous reste 11 spots main. Il nous reste 2 spots mini. Qui va nous closer ce mini? Donc, c'est bel et bien ça. Moi, je viens de refaire le petit calcul. Tout est beau. 11 spots, 2 mini. Voilà, on est presque plein. Est-ce qu'on va faire un mini final par la suite directement avec les spots qui restent? Peut-être. Peut-être. On va faire le calcul après ça, voir si ça fonctionne. Des fois, c'est trop cher. On fera un mini supplémentaire, mais ça se pourrait qu'on fasse un mini final directement. Donc, reste 2 spots mini qui nous closent le tout. Parfait, Louis-Philippe, merci beaucoup. On va se prendre une petite gorgée pour la route. Avec nos belles bouteilles Workshop, by the way, si vous ne les aviez pas vues encore, ce sont nos nouvelles. On a plusieurs grandeurs différentes, plusieurs modèles. Notre couronne, bien sûr, qui est de ce côté-là. Notre workshop qui est de ce côté-là. C'est nous-mêmes qui les gravons, by the way. Fait que ça nous permet de vous avoir un prix qui est quand même assez solide. Là. Donc, si vous en voulez, pour vrai, moi, c'est les meilleurs que j'ai eus. Je dis pas ça parce que c'est les nôtres, là. Mais j'utilise plus les autres. C'est fini. C'est fini. Je n'ai racheté une couple de même, puis je fais une rotation, puis les bouteilles du Costco, puis tout, ils étaient bonnes. Là. Je dis pas qu'ils étaient pas bonnes, mais ça, c'est une coche au-dessus. Fait que... essayez. Pour ceux qui les ont déjà, le disent. Là. Fait qu'essayez-les. Vous... Comment ils disent ça? Il faut l'essayer pour le croire, le voir pour le croire. En tout cas, bref. Faites-en votre conclusion si vous voulez l'essayer. Mais... Vous allez voir, c'est impressionnant. Donc, on va aller faire un petit refresh ici. Ça devrait être bon pour faire ce break-là ce soir. Et on a Marcella qui close le tout ici sur le post directement. Marcella, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu es sur le live. Mais le mini, il est full. Bon, on va mettre ça à jour, on va aller rentrer les paiements, on va rouler ça en live avec vous, ce mini-là. On va savoir qui remporte les spots main et on va faire les calculs après ça. Ou Phil, si t'es pas trop loin encore, si des fois ça a-tu du bon sens ou pas, au pire envoie-moi les messengers si tu veux, je vais checker ça. Ça, ça va. Donc, bougez pas. Merci de votre patience. Je suis en train de mettre à jour le mini. On va aller rouler ça. Merci Marcella qui a closé le mini. Donc, le mini, il est full. On va enlever ça. On va essayer de regarder pour le mini final, peut-être. Donc, mini 2. Break 2802. On va préparer notre roll and shuffle. On coche ça. C'est bon. On va aller finaliser les paiements. On va rouler ça. Donc vous voyez un peu l'envers du décor quand on se met en live comme ça pour tout faire. C'est ce qu'on fait habituellement, mais pas en live. Là, ben, on le fait avec vous. Donc vous voyez un peu qu'est-ce qu'on fait. On ne se pogne pas le bacon ben, on va vous dire quand il y a plusieurs breaks en cours en même temps, puis ça roule. Là. Je dirais qu'on n'arrête pas ben d'habitude. God, les paiements maintenant. On va aller voir ça. Je crois que tout le monde s'est rentré. Donc, on devrait être bon pour rouler ça dans les prochaines minutes. Comme ça. Ça, Louis-Philippe s'est déjà rentré. Merci beaucoup. Comme ça ici. Comme ça ici. S'il y en a qui veulent des spots main directement pendant qu'on fait ça, gênez-vous pas. L'adopter, oui, c'est vrai. C'est vrai, David, c'est exactement ça, tabarouette. Il a acheté les bouteilles Volkswagen tellement elles sont bonnes. Non, elle, je ne l'ai pas jetée, par exemple. Arrête, je l'ai massée, celle-là. Non, je ne l'ai pas jetée, celle-là, inquiète-toi pas. Donc, celle-là, c'est rentré aussi. On va aller rentrer ça ici et on va être bon pour rouler le mini après ça. Comme ça ici. Angélie Boily, ta chance de gagner ton premier jersey pour Lou Philippe. Ouais, c'est vrai, ta barouette. C'est vrai, certain. Donc, Billy 2, c'est prêt. Bon, vous allez m'entendre, mais j'enregistre ce que je fais en même temps. J'enregistre mon écran, le son. Vous allez voir ce qu'on fait. On va rouler ça directement. On passe ça dans les prochaines secondes. On part l'enregistreur. Comme ça. Et on passe ça. Ah, ok, salut tout le monde, c'est Alan pour The Workshop, on est live pour le mini 2. Break 28-02, Québec en haut, Québec en bas, on copie de l'autre côté, c'est le top 5 qui remporte un spot dans le main. Les noms sont ici, Dice Roll est activé, 3D minimum 6, c'est parti. Les dés ont donné 16, ça vient d'être brassé 16 fois le résultat. Jérémy, Kevin, Marcel, Louis-Philippe et Kevin. C'est le top 5 gagnant. On va aller coller le lien du random qu'on vient de faire sur le post. Comme ça ici. Je vous remonte le top 5. Félicitations. Merci à tout le monde. On se voit tantôt pour la suite. Salut. Donc voilà, vous avez été témoin d'un live pour l'enregistrement et le roulement d'un mini. C'est de même, ça marche. Donc on va aller copier le lien d'enregistrement qu'on vient de faire. Comme ça. Et après ça, ben, on va aller taguer les gagnants. Donc, félicitations à vous, ceux et celles qui ont remporté les 5 spots. On va aller mettre ça à jour par la suite. Ah, je pense que ça fonctionne. Un mini-final directement. Louis-Philippe vient de m'envoyer ça. Voyons, j'ai de la misère. On va avoir un 20 spots avec un top 11 gagnant. Ça, ça veut dire que vous avez plus qu'une chance sur 2 de remporter un spot main. Pensez-y bien. On vous prépare ça dans pas long. Dans pas long. On va aller taguer les gagnants ici pour commencer. Donc, voilà. Vous pouvez choisir vos spots dans l'ordre, s'il vous plaît. Ici, c'était le mini 2. Et les gagnants, on avait Jérémy en premier. En deuxième, on avait Kevin. Voilà. En troisième, Marcella qui remporte un spot. Ensuite, Louis-Philippe et Kevin une autre fois. Voilà, je vous ai tagué les gagnants. Jérémy, si t'es bon pour aller commenter directement sur le post, je vais aller te placer ça sans problème. Et on va starter le mini-final. Phil, question, est-ce que t'es bon pour le sortir directement? Moi, je vais essayer de l'afficher sur l'écran de live ici. Fais juste me lâcher un petit message. Sinon, je peux le construire vite, vite. En cours, ok, merci Phil. Je vais aller m'occuper des MF sur le poste principal. Oh, ils sont déjà là. Tabarouette, Phil, plus vite que son ombre. Merci Phil. Donc, Jérémy qui est le premier à choisir, qui nous a dit le 30. On va aller le placer tout de suite. Comme ça. Et après ça, je vais vous copier ça sur votre écran. Comme ça. Donc, tout le monde va suivre en même temps. Comme ça ici. Voilà. Laisse 2-3 minutes pour d'autres mains peut-être. Oui, ben, si on n'a pas de spot de vendu dans le mini, il n'y a pas de problème. C'est le temps si vous voulez ça. Tant qu'il n'y a pas de spot vendu, le mini-final est sorti. Tant qu'il n'y a pas de spot vendu dans le mini-final, il n'y a pas de problème. Donc, on va copier le mini-final à votre écran dans les prochaines secondes. Donc, ici, mini-final. C'est un top 11. Et on était à 18,98 le spot. J'ai pris le 5, je te l'ai mis dans le post, parfait. Merci, merci Kevin. On va aller l'ajouter au main, il n'y a pas de problème. Comme ça ici, comme ça ici. On fait apparaître le mini-final. Voilà, il est là. Il est ici. On va rapetisser le nom à Jean-Nicolas ici, comme ça. On va tout bien voir. Comme ça. Donc, les lettres de A à T sont disponibles. Qui va se lancer là-dedans? Donc, mini-final, top 11. On va aller mettre le main à jour avec ceux qui ont choisi leur spot. Donc, il reste le mini final seulement. Le 30, c'est bon. Kevin, le 5. On va aller te placer ça, Kevin. Merci beaucoup. Voilà. Tag Feller, on espère pas se rendre là, Louis-Philippe, parce qu'il est déjà 9 h présentement. Je vais être bien franc avec vous autres, je pense pas que je vais rester en live jusqu'à 11 h. Donc, on va essayer de le fouler là. Si ça fait pas, on va le faire demain au pire. On a déjà 2 spots de partie sur le mini-final, donc ça sent très très bon. Donc, allez voir ça. Sur le post directement si vous voulez. Sinon, commentez directement ici. On va vous taguer au bon endroit. On va mettre ça à jour sur votre écran aussi. 2 spots de partie déjà sur le post directement. Il en reste 18. Donc, vous avez plus qu'une chance sur deux de remporter les derniers spots de ce break. Qu'est-ce que ce break? Bien, vous le voyez à votre écran. Une box série 2, 21-22 juste ici. Entre autres avec Byfield qui se retrouve là-dedans. Lucas Raymond, Mason McTavish. Donc, de bonnes Young Guns qui sont là-dedans. On a aussi série 2, 22-23. Vous avez Slafkovsky, Jack Eichel, Caden Goulet, entre autres, Wyatt Johnston. Il y a du bon monde là-dedans. Pas pire. Brent Clark aussi avec les Kings. Et vous avez la B-Box qui est ici en arrière. Ça, c'est quoi? C'est un jersey autographié que vous pouvez retrouver là-dedans. Donc ça, il y a des gros noms là-dedans encore de disponibles. Il y a seulement 5 B-Box de partie sur 25 dans notre troisième série. Et je peux vous dire qu'il reste du gros stock, pas à peu près. Donc, voilà. Donc, le midi final part très bien. 2 spots qui ont parti sur le stade. Vous pouvez aller commenter un troisième, même directement. Donc, d'après moi, ça se pourrait que ça aille assez rapidement. Donc, je vais mettre ça à jour dans votre écran aussi ici. Merci, Phil, pour les mises à jour sur le post. Et on a David qui prend 2 autres spots au niveau du main. On a déjà le quart de partie en quelques minutes seulement. Manquez pas votre coup si vous voulez participer à ce break-là. Je crois que ça va se closer rapidement. Si vous voulez accéder aux derniers spots qui sont disponibles, ça se passe par le mini-final. On va aller mettre ça à jour ici. Louis-Philippe qui voulait le 17. Kevin, quel était le deuxième spot que tu voulais pour le mini 2? Des fois, tu as une préférence. Vas-y tout de suite, on va te le placer. Ça va très bien. Allez voir le mini-final si vous voulez participer à ce break-là. Ça s'envole assez rapidement présentement. Plusieurs spots qui partent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 de parties sur les 20 qui sont disponibles. Je suis le dernier, donc tu vas me donner celui qui reste. Non, pas en tout, en fait. Nous, on vend juste les MF, les M2, les M1, juste pour réserver les spots, pour être sûr de ne pas en vendre trop. Parce que dans nos premiers breaks qu'on faisait, des fois, on en vendait, puis là, il n'en restait plus assez pour les minis. Donc, on fait ça juste pour les réserver. À partir de là, vous pouvez prendre le spot que vous voulez qui est disponible, qui n'a pas un nom décrit à côté. Pas grave. Fait que même que ce soit M2, MF, peu importe, nous autres, on va juste leur changer de place après ça. Donc, prenez vraiment ceux que vous voulez qui sont disponibles, il n'y a aucun problème. Fait que Snake, je te donne un exemple, là, si tu veux prendre le 2 par exemple, le 3, le 5, le 6, le 13, il n'y a pas de problème, prends celui de ton choix, on va te le donner, il est disponible, puis nous autres on va juste changer les lettres de place après ça, il n'y a pas de trouble. Le 16, parfait, on va te donner ça directement, je vais mettre ça à jour dans votre écran par la suite. Donc, on va mettre les MF à jour aussi partout. 1, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le compte est bon. Le compte est bon. Donc, je mets le main à jour sur votre écran. Après ça, on va mettre à jour le mini. Je crois que les spots partent assez rapidement. Comme ça, ici, ça c'est beau. Ça c'est beau. Le mini maintenant, on va aller mettre ça à jour. On fait un petit refresh. Non, c'est OK. C'est OK, Kevin, merci. Phil, je vais te laisser mettre à jour. Je ne sais pas si tu es encore là. On va rafraîchir le tout. OK, putain. C'est viable? OK. Ça va? Tranquille? Lecture, musique? D'accord, bonne idée. Mon gelé, tu connais? Non, je vais le checker tantôt. C'est bon. Merci beaucoup. On va faire un petit refresh à nouveau ici. Si vous voulez un spot dans le mini-finale, 18,98. C'est 11 spots sur 20 qui seront gagnants, donc c'est plus qu'une chance sur 2. On va mettre ça à jour dans votre écran dans les prochaines secondes. On est en train de mettre ça à jour présentement. Après ça, ben, on va être bon pour ouvrir ces box-là ensemble. OK, yes. Puis on va se croiser les doigts. Peut-être qu'on va vous sortir un High-Gloss. High-Gloss, ça veut dire quoi? Ça veut dire une carte Young Guns numérotée sur 10. Ça veut dire qu'on va déclencher le Bounty. Le Bounty est rendu à 1500$ ce soir. C'est assez quelque chose. Update, merci. Lecture, musique, mon gilet, es-tu correct? Décide-toi si tu veux qu'elle fasse du lavage ou de la lecture. Non, non! C'est parce que c'est moi qui ai attaché mon gilet tantôt. J'ai mis du savon-vaisselle un peu dessus pour que ça marche. Puis je vais essayer de le checker tantôt. Mais elle a fait de la musique, puis elle lit aussi. Elle fait toutes sortes d'affaires. Elle se relaxe, c'est plaisant. Voilà. Salut! Donc on va aller mettre ça à jour ici, dans votre écran. Et on a Julien, je vais te prendre 2 spots mini. Parfait, Julien, je vais te taguer au bon endroit, s'il te plaît. Si tu peux juste aller placer ton commentaire sur le post, c'est toujours ça qui est priorisé, c'est bien important. Je vais te taguer. On veut juste que ça reste legit pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de chicane. Si, mettons, il y a des gens qui commentent en même temps sur le live et sur le post, on veut éviter ça. Donc, on garde l'ordre dans lequel les commentaires rentrent sur le post Facebook. Donc voilà Julien, je t'ai tagué. Si tu peux aller juste placer ton commentaire, on va te les donner immédiatement. Et là, je vais m'occuper de lui placer tout de suite. Donc on va donner le A. Donc le A à Julien et on va aller choisir une autre lettre un petit peu plus bas. Mettons le P. Donc, le A et le P, Julien, merci beaucoup. On va mettre ça à jour sur votre écran maintenant ici. Voilà. On est en train de remplir le tout, mesdames et messieurs. Il nous en reste seulement 9. Il nous en reste 11. Voyons, je ne sais plus compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il nous en reste 11. Je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Donc, il reste 11 spots seulement au mini-finale. Allez-y, allez voir ça directement sur le post si vous voulez, sinon sur le chat ici. On va vous taguer au bon endroit pour que vous puissiez placer votre commentaire. Donc, voilà. Julien, si des fois tu ne m'as pas entendu, on t'a tagué sur le post Facebook juste à placer ton commentaire comme quoi tu veux 2 spots. Question de garder ça legit pour tout le monde. Voilà, pendant ce temps-là, ouais, ben, on va commencer à rentrer les paiements tranquillement de ceux qui ont déjà pris les spots. Comme ça, on va être prêt à faire le break. Donc, mini-finale ici. 18,98. Donc, vous voyez un peu l'envers du décor en même temps, pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous. Vous voyez comme ce qu'on fait en arrière-plan quand on n'est pas live. Comme ça ici, je pense qu'on a d'autres spots qui viennent de rentrer. Ça, ça va. Ça, ça va. Good. Donc, les paiements, on met ça à jour. Merci de votre patience, tout le monde. On y est presque. C'est presque full. On va être bon pour ouvrir ces box-là ensemble. Richard s'est rentré. Merci beaucoup. David aussi. Merci, messieurs. Ici, ensuite. Joe s'est rentré, merci. David Landry aussi, merci messieurs. Ça va tellement bien quand vous envoyez vos paiements à mesure, là. C'est incroyable pour nous la différence que ça fait en termes d'efficacité, si vous saviez, là. François, c'est rentré, merci. Michael aussi, merci. Tabarouette, c'est plaisant. Ça, c'est bon. On est à jour. Tous les paiements sont là à date pour ceux qui ont pris les spots mini. Donc, je vous rappelle, si vous voulez participer à ce break-là, ben, il y a 3 boîtes, en fait. On vous a fait ça. Beau, bon, pas cher. 2 box de Young Guns avec des solides Young Guns. Et la B-Box qui est en arrière, donc le jersey autographié, donc pour 34,50. Mettons, vous repartiriez qu'un gros jersey. 34$, ça fait pas cher. Ça fait pas cher. Puis, quand je regarde ce qui reste dans la 3e édition, c'est quelque chose. C'est quelque chose. J'avais-tu fait une erreur au niveau de la bannière? Je viens de voir que ça a été refresh. Donc Julien, si tu es encore sur le live avec nous, je vois toujours pas ton commentaire au niveau du mini-final. Si tu peux aller le placer, s'il te plaît. Reste 11 spots et on est full. On est déjà en live pour remplir le tout ensemble. Le chandail de Winnipeg à soir, mon opinion, il est laid en sein, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas vu, tabarouette. J'étais à la game, j'étais à l'autre game. Moi, j'étais à Toronto Panthers. On va aller voir certains. Les Kings contre les Jets. On va aller regarder ça, Ben. Hey, Colin, je l'ai tu? Je l'ai pas. Yeah. Un peu, on va aller voir un autre poste, voir. Pour moi, je l'ai pas. Je l'ai tu? Non, non, TVA Sports n'est pas encore en branle parce que l'autre game n'est pas fini. Sur les canaux américains, je ne l'ai pas non plus. Anglophone, c'est-à-dire, je ne l'ai pas non plus. Non, il va falloir que j'attende que la game finisse. Il reste 13 minutes en 3e. Je vais le voir tantôt. Je vais le voir tantôt. Il y avait un nouveau mois, le Févarve. Ah, d'accord. J'ai dû oublier d'enlever ça. D'accord. C'est le nouveau mois. C'était un mois de Févarve. Non, non. Ça devait être quand même très drôle. C'est excellent. Donc, où est-ce qu'on en est avec ça, tabarouette? On va se faire un petit refresh. On va aller regarder. Allez voir ça sur le post. Il reste 11 spots seulement au mini-final. On a besoin de closer. Qui va nous closer ce break-là ce soir? Je vous rappelle, by the way, qu'on a nos préfils SP Game News qui vont commencer demain. Nouveau produit SPGU. Je vous partage mon écran, je vous montre ça. Des fois, vous ne les avez pas vus encore, le produit. Je vous montre ça ici. On commence par en haut. SP Game News 23-24. Ça va brosser. Ça va être le fun. Connor Bédard est là-dedans, entre autres. Bien sûr, les autres bonnes rookies sont là. Je vous descends ça vite, vite. Je vous montre un peu que ça a de l'air. C'est beau. C'est très, très beau. Ouais, ouais, ouais. C'est très, très beau. On a une Connor McDavid. Ici, c'est la True Base sur 97. Elles sont belles. En s'il vous plaît. C'est ça que Benny dit. Babylon de haute en tabarouette. On a... Donc, la McDavid en True Base, on a les Authentic Rookies, les Jersey Auto ici sur 49. Vous avez l'exemple de Luke Hughes avec les Devils qui est excellent, ce Moses-là. Je vous descends ça vite, vite. Ce qui est attendu surtout dans ce produit-là, ben, c'est les DDM qui sont là, les Draft Day Marks. Donc, ça veut dire que chaque lettre, c'est une carte différente, bien sûr. Puis le but, ben, c'est de ramasser les lettres pour faire votre joueur au complet, votre joueur préféré. Puis les cartes, habituellement, sont numérotées sur 35. Donc, ça rend la chose pas tant facile. Là, je pense à Bédard, là. Oh, ça va coûter cher faire le Bédard au complet. Ça va être quelque chose. Il n'y a pas de trouble, Phil. Merci beaucoup. Je vais m'occuper du reste. Merci, Phil. Donc, le DDM qui est là. Donc, dans le cas présent, c'est Matthew Nice avec les Leafs. Ça va être assez quelque chose. On fait les préfils demain, by the way. Puis suite au sondage, on va vous sortir du 3 boîtes et du 6 boîtes à la fois. Donc, surveillez ça. Vous avez les Rookie Sweaters ici avec la solide patch de Vincent pour les Wings. Vous avez les Deep Cuts qui sont une nouveauté avec Askarov. Vous avez les mascottes comme Ben vient de nous dire. Ça va être le fun, ça. Ouais. Si vous avez bien lu, en fait, c'est les All-Star Mascots Fabrics. Il y a les patchs, mais on regardait tantôt sur Beckett. Sur Beckett, il était mieux expliqué. Ne bougez pas que je remonte en haut. On va essayer de ne pas vous étourdir trop. Les mascottes, juste ici. Donc, qui nous disent, en fait, on a les mascottes Fabrics, une aux 6 boîtes. Instead of players, these highlights teams, cornerstone creatures with swatchers from even work all-star festivities. Il y a des patchs sur 35, des tags sur 3, des team logos 1 de 1. Ça va être assez malade. Ça va être assez malade. Mais je parlais des lettres. Je ne sais pas si les lettres sont là, par exemple. Je ne sais pas si les lettres vont être là. Dans quelle boîte? Jean-Marc sur TikTok, ça va être dans le nouveau SP Game News qui sort mercredi. Ça sort mercredi, en fait, ce produit-là. Nous autres, on commence les préfils demain. Donc, on va remplir déjà des breaks demain pour mercredi. Salut, Olivier! Mes gars regardent trop tes breaks. Ils ont commencé à faire des petites vidéos quand ils ouvrent leurs Pokémon comme des breakers. C'est malade! C'est malade, tabarouette! Je dis salut à tes gars, by the way. J'espère qu'ils vont bien. Puis c'est correct, qu'ils continuent à s'amuser. C'est le fun. C'est le fun à Moses. Il reste... Oh, on me dit qu'il reste 5 spots, mon Dieu. Le temps que j'explique un... Et les nouveaux produits, vite. On est à 5. Oh, boy. On va mettre ça à jour dans votre écran parce que d'après moi, on va breaker ce soir dans pas long. Parfait. On va mettre ça à jour sur votre écran ici. Comme ça. Il nous reste le H, le I, le K, le Q, le T. Oh my God. On va aller rentrer les paiements à mesure si on veut faire ça au plus rapide. Voilà, on va aller s'occuper de ça. Alexandre, c'est là. Merci beaucoup pour le paiement rapide. Rick aussi. Merci, Rick. Alexandre, Rick, on place ça ici. Merci, messieurs. Comme ça, on met ça à jour. C'est bon. Ça va très bien. Ben, il nous reste quelques spots seulement. Donc, il reste 1, 2, 3, 4, 5 spots seulement pour le mini final. Et on ouvre ça, ce break-là. On va vous souhaiter du gros stock, hein, s'il vous plaît. On espère peut-être une eyeglass là-dedans. Comme ça, on a d'autres commentaires qui rentrent sur le post directement. Michael qui prend le H. Michael, merci beaucoup. Il nous reste 4 spots. Je vous rappelle que c'est un top 11 qui est gagnant sur les 20 spots disponibles. Donc, c'est plus qu'une chance sur 2 de remporter un spot d'Allemagne. Comme ça, comme ça. On va rentrer les autres paiements qui viennent de passer. Voilà, Michael, c'est déjà rentré. Merci beaucoup. Il va me manquer le paiement à Jean-François ici. On va attendre que ça rentre. Michael, c'est déjà rentré. Merci beaucoup. Donc, il nous reste 4 spots. Qui va nous closer? Qui est-ce qui va nous closer ce mini? On va rester à jour ici. Mets-moi un autre random s'il en reste. François, parfait. Je vais te retaguer au bon endroit. Si tu peux juste aller placer ton commentaire, François, ça va nous aider. Juste à garder la priorité au bon endroit. Je m'en vais te faire ça, François. Je vais te retaguer ici. Voilà, François, je t'ai retagué. Juste à aller placer le commentaire, s'il te plaît. On veut du gros Young Guns, mais hein, Michael? Je vais prendre un spot à quelle adresse le virement. En fait, Yann, je vais te taguer si tu veux directement dans le mini pour que tu puisses prendre ton spot parce que là, il n'en reste pas beaucoup. Bien important qu'on respecte l'ordre dans lequel les commentaires rentrent, mais sur le post et non dans le chat ici. Donc, je vais te taguer au bon endroit. Yann Fortin ici. Au niveau de l'adresse courriel, c'est le Break the Workshop 13 à commercial. Bouge pas, je vais te la mettre à l'écran directement. Je vais te mettre ça dans les commentaires. Tiens, tu devrais la voir apparaître à l'écran dans les prochaines secondes. Voilà, Break the Workshop 13 à commercial gmail.com. Donc, si tu l'envoies par transfert Interact, s'il demande un mot de passe, on demande de mettre buffer. Souvent, c'est un transfert automatique, donc tu n'as pas besoin de mot de passe. Si tu y vas par PayPal, on demande l'option Amis et Famille simplement pour éviter les frais. Sinon, avec les frais, on ne reçoit jamais le plein montant. Voilà. On est presque prêt, monsieur, madame. Aussitôt que les derniers commentaires rentrent sur le post, je mets ça à jour. C'est bien important de mettre votre commentaire avant, messieurs, s'il vous plaît. Donc, je vois François et Yann, vos commentaires sont toujours pas là sur le post. Il y a d'autres spots qui se prennent présentement. Donc, si vous ne voulez pas passer de droite, s'il vous plaît, mettez votre commentaire. On a Gab Morin qui prend le cul. Ensuite, on va donner un spot à François tout de suite. Et Yann, on te met ça ici. Donc, en théorie, il resterait un spot seulement. On va se faire un petit refresh pour être sûr de garder ça. À jour. Voilà, je vous mets ça à jour dans votre écran ici aussi. Pour que vous puissiez voir la même chose que nous. Comme ça. Il nous resterait le cas. Oh, le H. Le H était déjà pris, Yann. Yann, je t'ai donné le I. Le H était déjà pris par Michael. Donc, il va nous rester un spot seulement. On va aller voir. Je pense que c'est close. Et c'est Kevin C qui nous close ça, ce break-là. Donc, Junior, désolé, c'est full. Louis-Philippe aussi. Donc, je finalise les paiements. Et on roule ça. On est full, messieurs. On retire le mini-final. Pouf! Donc, ça ne sera pas bien long le temps qu'on finalise d'entrer les quelques paiements qui rentrent. Les quelques paiements manquants, c'est-à-dire. Et on vous roule ce break-là. Merci de votre patience. On va faire le random des équipes ensemble. Une fois que tous les paiements, ça va être fait. Comme ça ici. Yann, c'est rentré. Merci beaucoup le paiement. François aussi. Gab aussi. Merci messieurs. Ça va vite dans ce temps-là. Yann, c'est beau. On a dit Gab aussi. Et on a dit François, c'est à jour. On va nous manquer Kevin et Jeff. Jeff, c'est rentré. Merci. Kevin, ça vient de rentrer. Merci messieurs. Ça, c'est efficace, hein, s'il vous plaît. Donc, le mini-final, les paiements sont déjà tous rentrés. Ça va assez vite. Donc, on va être bon pour rouler ça ensemble. Donc, mini-final. Break 2802. Salut Niril sur Twitch. On va aller ici. Comme ça. Mini finale. Déjà full ici. Comme ça. Donc, setting up. On passe ça, le mini final. On part l'enregistrement. C'est parti, le top 11. Ah, OK, salut tout le monde, c'est Alan pour The Workshop, on est live pour le mini-final, break 28-0 de Julien au François en bas, on copie les noms de l'autre côté, c'est le top 11 qui remporte un spot dans le main. Voici les noms, Dice Roll est activé, 3D, minimum 6, qui remporte un spot dans le main, top 11. On pèse le piton, les dés vont être brassés dans les prochaines secondes, les dés de 8, ça vient d'être brassé 8 fois. Le résultat, top 11, Jonathan, François, Rick 2 fois. Alexandre, Jean-François, David, Yann, Michael, Julien et Michael. On va aller copier le lien du random qu'on vient de faire sur le post du mini ici. Je vous remonte le top 11 de l'autre côté. Félicitations. Merci à tout le monde. On se voit tantôt pour le break. Salut! On va aller copier le lien de l'enregistrement maintenant de l'autre côté. Donc ça, c'est l'enregistrement du son et de l'image de qu'est-ce que j'ai fait. Donc vous pouvez voir en tout temps toujours qu'est-ce qu'on fait quand on roule les randoms. Question de transparence. Voilà le lien qui vient de se copier. Et maintenant, nous autres, ben, on va aller taguer les gagnants sur le main. Félicitations à ceux qui viennent de remporter un spot dans le main. On va vous laisser quelques minutes, un 5 minutes pour choisir vos spots. Et on va brasser ça pour les équipes ensuite. Donc, vous pouvez choisir vos spots dans l'ordre, s'il vous plaît. Le MF. Et les gagnants dans l'ordre, on a Jonathan Tremblay pour commencer. Bien important, s'il vous plaît, commentez sur le post pour aller choisir vos spots aussitôt que je vous aurai tagué. Donc, mettez les spots que vous aimeriez avoir. Si c'est disponible, on va vous le donner. Si ça ne l'est pas, on va vous donner des randoms tout simplement. Question de garder ça efficace pour tout le monde. Rick 2 fois. Ensuite, c'est Alexandre 1 fois. Ensuite, on a Jean-François. Jean-François ici, on va l'ajouter. Et là, Jean-François, on en a plusieurs. C'est lequel? On va aller chercher le bon Jean-François. Jean-François comme ça. Parfait. On s'assure de taguer la bonne personne. Voilà. Celui-là ici. ×1. Après Jean-François, c'est David. Merci de votre patience. On est en train de taguer les gagnants rapidement. Pour que vous puissiez choisir vos spots, Yann et Michael. Ensuite, c'est Julien et Michael pour finir ça. Julien ici et Michael qui aura le dernier spot. Aura le dernier spot. Donc c'est full. On laisse 5 minutes. Pour choisir leur spot et on roule ça. Voilà. Voilà, les tags sont faits. Voilà, c'est fait. Donc, les tags sont faits. Messieurs, mesdames, allez choisir vos spots directement. Donc, on va, dans 5 minutes, dans le fond, moi, je vais aller mettre ça à jour selon vos préférences. Si les spots sont déjà pris, on va simplement vous donner des randoms. Pendant ce temps-là, on va aller juste s'assurer que les paiements sont là pour tout le monde. S'il nous manque des paiements, ben, on va courir après. Merci de votre patience, tout le monde. C'est super apprécié. Voilà, donc ça, on va mettre ça dans les bonnes couleurs pendant que vous choisissez vos spots. Merci de votre patience. Ceux qui viennent de se joindre à nous, bienvenue. On vient de remplir le break de hockey qui est devant vous. Donc, les gagnants du mini-finale sont en train d'aller choisir leur spot. On laisse quelques minutes volontairement. Puis, on va aller brasser les équipes pour faire le break. Ensuite, voilà. Le paiement, Maxime, c'est là. Simon, c'est là. Simon, c'est là. Ensuite, Ben, c'est là. Mathieu, c'est là. Je crois qu'il va nous manquer un paiement ici, malheureusement. On va aller voir ça. Dans 6, 7, il manque juste ces deux-là. On va être correct. Toronto 5, Floride 3. Mon Dieu, ça se resserre. J'ai pas vu s'il restait bien du temps au cadran, par exemple. Ah, ça, c'est bon. Il reste 3 minutes 2. Ouf. Ça va être serré. Ça se peut, par exemple, tout ça peut. Mais ça va être serré. Ça me permet de rentrer les derniers paiements rapidement pendant que les gagnants choisissent leur spot. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Les équipes, on va se préparer pour le random pendant ce temps-là. Le random des équipes, donc break 28-02. La liste des équipes ici. On va brasser ça 3 fois là, ici 2. On va aller mettre ça à jour, messieurs, on est presque prêts. Empty net, les livres sont bons pour l'échapper, tabarouette. Incroyable. Donc, très, très étonnant. Très, très étonnant. OK, on va aller voir ça. On va aller mettre ça à jour ici. Donc, les premiers à choisir, on avait Jonathan et François. Jonathan, c'est random. On va aller faire ça comme il faut. François le 27. C'est parti, on fait la dernière mise à jour et puis on roule ça. Merci de votre patience encore une fois. On essaie de faire ça au plus rapide. Après ça, on avait Rick. Rick avec le 13 et 31. On place ça ici. Ensuite, on avait Alexandre et Jean-François. Alexandre avec le 23. Jean-François, c'est random aussi. David le 3. David était le suivant, donc David le 3 ici. Ensuite, je vais faire un petit refresh. Je ne vois pas de commentaires de la part de Yann. 5-4. Wow! Est-ce que les Leafs vont vraiment l'échapper? Hey, c'est Samsonov, hein? J'ai de la misère. Mousse, j'ai de la misère. Je l'ai eu dans mon fantasy longtemps, puis je l'ai débarqué, tabarouette. On dirait, tu sais pas à quoi t'attendre, jamais. Des fois, ça peut être bon, des fois, ça peut être moins bon. On avait Michael après ça. Michael, c'était random. Et Julien nous dit le 24. On va donner le 24 à Julien. Je crois qu'il est disponible. Yes! Comme ça. Donc, on place les derniers random. Et on y va, tabarouette. Oh yes! Alors, François, on va te donner le 2. Comme ça. Ça, c'était beau. Yann, on va donner le suivant, le 6. Ça, il nous en restait 2 à placer, je crois. C'était Michael avec les randoms, voilà. Voilà. On fait une petite sauvegarde. On revire ça de bord. Ça comme ça. Ça comme ça. Voilà, tout est fait. On va copier la liste de noms. On fait le random. Merci de votre patience encore une fois. On procède. Après ça, ça va me prendre un petit 2 minutes pour juste monter le setup et on ouvre ça. On est presque rendu. Donc, même principe, on va starter l'enregistrement et on fait ça en live avec vous. Pardon, enregistrement ici. On starte ça, on est sur le post et on décolle ça. Ah, ok, salut tout le monde, c'est Alan pour The Workshop, on est live pour le Spot and Teams Random Break 28-02. On a Jonathan en haut, Michael en bas. On s'en va sur le Roll and Shuffle. Donc, Jonathan en haut, Michael en bas. Les équipes sont du côté droit. On va rouler ça 3 fois à gauche. On a activé le Dice Roll pour 2D du côté droit. Et c'est parti. On pince le piton. 3 fois à gauche. Les dés ont donné 10. Ça vient d'être brassé 10 fois du côté droit. On a Jonathan avec le Kraken jusqu'à Louis-Philippe en bas et le Wild. On va copier le lien du random sur le post. Comme ça, Enter, merci beaucoup. Et je vous remonte la liste finale, c'est complet. On se revoit donc dans quelques minutes pour le live. Salut! On va aller copier le lien du random que je viens de faire, c'est fait. On copie l'enregistrement que je viens de faire, c'est fait. Ensuite, on va aller copier la liste finale de ce que ça vient de donner comme brassage. Comme ça ici. Donc, si vous voulez aller voir vos équipes directement, tout est sur le post. Moi, pendant ce temps-là, ben, je vais aller copier ça sur le setup. On va monter ça. Et les Leafs qui en comptent un 6e, finalement. Ça aurait pu être une remontée historique, mais pas ce soir. Pas ce soir. 28-02. Ensuite, on va aller copier nos équipes pour le live. Affichage ici. OK. Copie ça. Voilà. Donc, je mets à jour les orthographes de vos noms rapidement. Il va juste nous rester à aller s'amuser maintenant avec ça. OK. Voilà. Ici, on va faire disparaître la petite liste comme ça. On va faire apparaître notre hockey. On va voir si tout est beau. À date, tout ce qui apparaît semble sur la coche. Jean-François avec l'avalanche, une petite faute d'orthographe. On va arranger ça comme ça. Numéro de break est déjà bon. Le reste, c'est déjà bon aussi. Donc Jean-François, c'est OK maintenant. À date, tous les noms semblent sans faute. Il y a Alexandre ici avec un S. Merci de votre patience. Moi, j'ai bien gros attention aux détails. Quand mon nom, personnellement, n'est pas écrit comme faux, c'est jamais le fun. Fait que j'essaye de faire attention aux vôtres. On va le dire de même. Donc, tout est beau ici. On va aller placer sur le post Setting Up and Live pour ceux et celles qui ne seraient pas déjà sur le live avec nous. Up and Live. Enter, c'est fait. Dashboard, on vient ici. Ça, ça va. Ça, ça va. Ça, ça va. Let's go! On est-tu prêt? On est prêt, s'il vous plaît. Je vais serrer mon clavier souris, parce que j'en aurais plus de besoin. On met ça en dessous. Comme ça. On est presque prêt. On va reculer notre caméra maintenant. Comme ça ici, on va enlever les decoys. On va retirer la B-Box parce que c'est pas nécessairement celle-là qu'on va prendre. On va y aller selon le random. Pardon, je vous fais gricher des dents. My God. Voilà, on va retirer ça. Étant donné qu'on est dans un espace restreint. On va commencer par ces deux box-là. Oh, OK, yes, il me reste juste à remettre ça ici comme il faut et on part, mesdames et messieurs, let's go! Si vous n'avez pas vu l'équipe qui vous a été attribuée, tout est à la gauche de votre écran, gauche par là, on a... Donc, allez voir ça, les randoms qui ont été faits, on passe ça, on se plug ici, 1, 2, 3, go, et c'est là que ça se passe! On passe ça, série 2, 21-22, oh, OK, yes! On start ça, bon, break tout le monde. C'est pas vrai, c'est pas de même qu'on fait ça. Oh, break 2802, c'est de même qu'on fait ça. 24 packs dans cette première box. On veut de la Young Guns, on en veut des belles, on espère. High Gloss peut-être exclusive. Clear Cut, sait-on jamais. On passe ça, tout le monde, bon break. On se souhaite du gros stock. Aussitôt qu'on a fait ces deux boîtes-là, by the way, restez avec moi, je vous repartage mon écran. On va décider quelle B-Box on va ouvrir ensemble. Come on, le premier pack Blue Dazzlers, on passe avec Beauvilliers. Pour les Highlanders, New York pour starter le tour. Et mon Dieu, je vois le gilet des Jets. Mais qu'est-ce que ce gilet-là? Et bleu poudre, les Jets, avec du mauve. Du rouge. Oh, je suis pas sûr. Ben, je pense que t'avais raison. Et boy, je suis pas sûr. Canvas, Charlie McAvoy. Les Bruins. Boston. La game vient de switcher 1 à 1 des Kings contre les Jets en fin de première période. Et moi, vous dire une affaire, moi non plus, je suis pas trop convaincu du gilet des Jets ce soir. C'est old school sur un méchant temps. Même le goalie tabarouette Brossois, il a les pads beige pour aller avec ça. Ça fait bizarre. Portrait Stunich, c'est les Devils. Ça prendrait une boîte avec des Slafkovsky comme la dernière fois. Hey, ça là, c'était-tu toute qu'une boîte? Sérieux? Hey, pardon, j'ai de quoi qui me... Je ne sais pas si j'ai un poil de pinche qui me chatouille. OK. Première Young Guns. La voici. Bernard Docker, les Sénateurs. Ottawa pour Maxime. Maxime est la première Young Guns. Une rétro maintenant. Et c'est les Bruins. Oscar Steen. Les Boston, les Bruins. Je ne sais pas vous autres, mais j'ai hâte, s'il vous plaît, d'aller ouvrir la B-Box qui se cache en arrière. Carter Hart, Canvas, les Flyers. Ben hâte de voir quel jersey on va vous sortir. On a toute qu'une troisième édition avec ben des petites surprises. On a une Black et une Young Guns ici. Novak pour Nashville. Les Preds de Kevin et la Black, c'est numéroté sur 100 ici. Parker Kelly en rétro. Pour qui? Pour Ottawa. Regarde ça de l'autre côté, la 16 de Sam. Les Sens. All base ici. Et on a une variante française ici, Gino, les Pingouins. Evgeny Malkin. Voilà Malkin. Mats Sundin, Matthews, Marner ou Caprizov, Fleury, ça va être parfait. Ah, j'aime ça, il y a de la belle suggestion là-dedans. Oh my God. Les Ducks, Ben Oliver Grew. En hot roll, superstar, les Ducks. Ça fait de la place. On poursuit. Perfetti avec les Jets qui a compté son 16e ce soir, c'est ce que je vois. Ensuite, rétro, Vladimir Ketchev, pour les Kings. Hey, Sandin, c'est beau, hein? Matthews, Marner, le Cap. Sais-tu, il n'y a rien de pas intéressant là-dedans, hein? C'est tout que des suggestions. Young Guns ici, Adam Rodiska pour les Flames. Calgary. Rétro ensuite, c'est Marquee Rookies, pardon, Pod Cousin, les Canucks. Vancouver, et on s'en va dans notre deuxième moitié de box. On va nous rester l'autre boîte de Young Guns par la suite. Young Guns Canvas. Oh, let's go! What a nice surprise! Montreal, Jimmy Tremblay. Oui, monsieur! What a hit! On sort les pétards! Bouillard! Montreal! Ovi Mané m'envoie raison. Stéphane, c'est excellent. Quelle belle Young Guns, Cole Caulfield. Et c'est la canvas et le focus qui se fait pas, bougez pas. On va aller chercher, voilà, Caulfield dans Young Guns Canvas. Oh, oh. Il commence bien ce beau petit break de 3 bucks. Ceux qui ont dit maintenant, ah, oh, j'aurais dû embarquer. Ben, il est trop tard. Vous auriez dû, tabarouette. Hésitez pas, hésitez pas. Jersey de Huberdeau ou Mark Strom, je dirais pas non. Oh, ça aussi, c'est beau. Ça aussi, c'est beau. Young Guns, William McClund pour les Sharks. Et savez-vous quoi, on est de bonne humeur. Pourquoi pas Sundin? Salming aussi, Louis-Philippe. Wow! Danny Senko en portrait maintenant pour les Panthers. Bon Dieu, Salming. Wow! Wow, wow! Quelle suggestion! Marquee Rookie, Vemelka, les Yates. Larry Sauna. Ah, une belle Caulfield en surprise qui vient de sortir. On l'oublie souvent, les Young Guns Canvas là-dedans. Tomasino Marquee Rookies. C'est les Preds. Et qu'est-ce qu'on a? Une autre Young Guns. Gadjevich. Pour les Sharks again. Ça fait de la place. On s'en va dans la dernière pile de cette série 2. 21-22. Est-ce qu'on a une black canvas de Matthew Tkachuk pour les Flames? On a Calgary. Prochain break de hockey, ça va aller à demain. Demain mardi. On vous sort les préfils aussi pour le SP Game News. Ceux et celles qui n'étaient pas là depuis le départ de ce live. On vous sort les préfils de SP Game News demain en format 3 et 6 bucks. Keith Yandle au Pitchy les Flyers. Moi, j'irai avec les réguliers pour les jerseys. Le mieux, Crosby, Letang. Ouf! Ça, c'est des gros noms, hein, s'il vous plaît. Je pense à le mieux, entre autres. Là. Ouf! C'est beau. McCart, Canvas. C'est l'avalanche. Pour le SP, ça va être Team Random. Oui, on va en sortir des deux, en fait, demain. On va commencer par les Team Random. On va sortir les Team Select un petit peu plus tard en cours de journée. Surveillez l'horaire. Je vais vous sortir un horaire. Tout va être inscrit. Les Kings. Superstar Enz et Kopitar. Et on a la checklist ici. Ça appartient aux Wings. Mo Sider, Lucas Raymond. Détroit, c'est pour Rick ici. Le checklist des Wings. Avec Montréal, je commencerai pas à les nommer. tu peux, t'as le doigt. Taylor Reddish en blue border pour le Lightning. Pour closer cette première box pas méchante avec une belle surprise, Caulfield. Jimmy, congrats, c'est un bon début. On s'en va maintenant dans la série 2, 22-23. Et il y a du Canadien pas pire là-dedans aussi. Quand la petite boîte bleu poudre est là, là, c'est le fun à voir le Canadien. Il y a toujours des belles possibilités. Comme ça. Chicago va être random parmi tout le monde pour le Team Select. Oui, absolument. Aussitôt qu'on a une sortie de produit avec juste un produit 23-24 en Team Select, c'est certain que Chicago va être random parmi tout le monde. Ça, c'est sûr. Dylan Sandberg pour les Jets. Hunter Roll. C'est parti dans le 22-23 maintenant. Next one, Canvas. Non, c'est une POE. Surprise. Owen Power. C'est Buffalo. Mais ce n'est pas terminé pour Jimmy ce soir. Il a les sabres aussi. Jimmy, let's go. Ça va bien, tabarouette. Et on nous demande Slafkovsky Eyeglass. Mais pourquoi pas? Solide ton prix pour SP Game News. J'ai vu du 10-12 pièces de plus par spot ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Ben, merci Tabarouette pour le commentaire. Louis-Philippe, c'est apprécié. Cole Caulfield pour le Lightning. Mais vous le savez, hein, on travaille tout le temps fort pour ça. Puis si on paye moins cher, puis qu'on réussit à négocier nos affaires pour avoir de quoi de solide, c'est vous autres qui allez en profiter tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Si des fois vous trouvez qu'on est un peu cher, on est au plus bas tout le temps qu'on peut faire. On n'a pas une grosse marge de manœuvre. On joue avec pas grand-chose. On est assez authentique, by the way, avec ces affaires-là. World Junior Grads, Pettersson, Vancouver. Les Canucks. J'impact, c'est une fluorescence en jaune. Elles sont numérotées, eux autres. Ouais. Et regardons ça. C'est Power Again, Buffalo Again. Avait le doublé de Power déjà dans cette box. En surprise, à part de ça, 98 de 150. Tu sais, là, mais comment je vous dirais ça? Même le jersey de box, là, est vraiment à bon prix. Oui, je te confirme qu'il est très solide, ce prix. On a... Jimmy passe la gratte. Ben, écoute, tu sais, des fois, il y a des breaks où il en sort un peu pour tout le monde. Puis des fois, il y a des breaks et il en sort pour une personne. Fait que c'est arrivé par le passé. Il y avait le break à quelqu'un. Il y avait le break à un autre. À soir, en tout cas, de la manière que c'est parti, on dirait que c'est le break à Jimmy. On a portrait, Figmo, les Kings. Mais si on aide de ta part, certains en auraient profité pour faire plus d'argent en voyant les prix ailleurs. Oui, absolument. Absolument. Puis, je vous le dis, c'est pas parce que... On est une petite équipe, hein? Puis on travaille plus fort pour être capable de faire ça, parce que c'est ça, c'est pas évident, c'est pas si évident que ça. S'il y en a qui pensent que c'est facile, c'est pas tout le temps le cas. Philippe Crowell pour les Leafs, puis je veux pas me plaindre en disant ça, là. Moi, je réussis à vivre de ça, puis c'est parfait, là. Tu sais, moi, je pourrais pas demander mieux, c'est... On dirait pas c'est une job que j'ai, puis j'adore ça, puis je vous en remercie à tous les jours de pouvoir faire ce travail-là depuis bientôt 5 ans. Oui, ça va faire 5 ans bientôt, je fais ça avec vous, c'est balade. Canvas, Brad Marchand. Mais pour ça, pourquoi qu'on a été capable de durer 5 ans? Ben, je pense qu'on est honnête dans ce qu'on fait. Je pense qu'on fait les choses de la bonne façon avec vous. Je pense qu'on vous donne un bon service aussi. Donc, gênez-vous pas d'inviter des gens sur le groupe pour participer avec nous autres. On va continuer d'avoir du fun d'après moi pour encore un méchant bout. On n'est pas prêt de s'en aller, c'est ça, ça veut dire. Lunchbox, Zegris pour les Ducks. On a l'intention d'être avec vous encore longtemps. Bon, en tout cas, moi, j'aime encore ça. Tant que j'aime ça, moi, je vais être là. La journée que j'aimerais plus ça, ça se pourrait, je ne serais plus là. Panarin, Instant Impressions. Et moi, j'ai du plaisir. Je me lève le matin, puis je m'en viens ici en me disant. Souvent, j'ai même pas pris mon jus d'orange, puis je suis assis ici. C'est ça. Young Guns, Attard, pour les Flyers. C'est Philadelphie. Dans les packs de la première moitié, welcome to Seattle pour le Kraken. Il nous reste une moitié de box ici. On vous donne une petite surprise. Si on sort une Eyeglass, le Bounty, 1500$. Samuel Poulain qui a été rappelé par les Pingouins. Une petite rotation, on le place là, M. Poulain. Je ne sais pas s'il est resté avec Pittsburgh, par exemple. Je sais qu'il a été rappelé la semaine passée de mémoire. Je n'ai pas suivi s'il était encore là ou pas, par contre. Yuri Canvas, Kerfoot, pour les Leafs. C'est à Toronto. Et on a une base, clear cut, Evan Bouchard. Pour Edmonton, les Oilers, pour Simon. Variante française, M. Trenin, pour Nashville, les Prédateurs. On voudrait une autre petite surprise dans ce box-là, let's go. Young Guns again, et on a Sam Morukov, les Oilers, Edmonton. Je me fais de la place, on s'en va dans le dernier stretch. Après ça, je vous partage mon écran, on va aller chercher la B-Box. Superstar, Philip Hallander. C'est Pittsburgh. Les dernières piles. World Junior Grads, Cider. Pour Détroit, les Wings. Canvas de Joel Farabee, les Flyers. Philippe. Young Guns ici, Fitzgerald pour les Sabres. C'est Buffalo, 3 packs à faire seulement. On prendrait une autre surprise dans ce box-là. Let's go. Let's go. Portrait Move Rare pour les Kings de Maxime L. Et Blue Dazzlers, Eric Colgren. Gardien pour les Leafs. Dernier pack. On close ça avec et le Welcome to Edmonton. Les Oilers qui close la box. Donc, 2 box de Young Guns complétées. De belles petites surprises là-dedans. Maintenant, restez avec moi. Je vous partage mon écran. On va aller chercher le jersey. Parce que oui, on a un jersey à ouvrir ce soir. On va tasser les box. On va regarder ça ensemble. Tantôt, le wrap-up. On met ça de côté. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure des prédictions, c'est ça que ça veut dire. C'est l'heure de vos prédictions. Qui est-ce qu'on va sortir en jersey? Vous me donnez de belles suggestions depuis tantôt. On va enlever les speakers. Vous pouvez y aller de nouveau avec vos suggestions, encore une fois. Ma souris, où est-ce qu'elle est? Ici. Donc, Roll and Shuffle. Je vous partage mon écran dans les prochaines secondes. 1, 2, 3, go! Donc, on prépare ça. B-Box Break 2802. Ensuite, on active le Dice Roll ici. 3D minimum 6. Et les B-Box qui restent. La 1, la 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12. Ensuite, il nous reste la 14, 15, 16, 17 et 18. 20, 21, 22, 23 et 25. Il nous reste ces B-Box-là. Lidstrom pour Ricard. Wow! Oh, que j'ai aimé ce gars-là. Oh, que j'ai aimé ce gars-là. Mon choix est fait. Matthew. J'aime ça. OK, c'est parti. On pisse sur le piton laquelle on prend ce soir. Les dés de nuit. Ça vient d'être brassé 8 fois et on prend la B-Box numéro 16. On va copier le lien du random sur le post du break ici. Donc, si des fois vous le cherchez, il est ici. Je vous remonte ça. On prend la B-Box 16. Donc, on va barrer ça sur mon petit papier. Mon petit carton. On va être sûr de ne pas se mêler. Et je vous rapporte en live avec moi, en fait, comme ça. McCart, selon Denis. Bédard pour Snake. Montréal ou Buffalo pour Jimmy. Allons-y. Je vous mets ça sur la caméra du plafond. Comme ça. Donc, vous avez toujours le plan de travail qui est en haut à droite, comme ça. Et vous avez la caméra au plafond qui vous montre que je vais aller chercher la B-Box numéro 16. Donc, ici 2, ici 14. Donc, ça devrait être 14, 15 et 16, juste ici. On prend ça ensemble. Vous devriez le voir de la caméra du plafond que c'est la 16. On glisse ça sur le plan de travail. Comme ça. Et on va aller ouvrir ça ensemble. Donc, vous le voyez en haut à droite, 16 de 25. On revient sur le live, 16 de 25 toujours. Vous avez de superbes suggestions ce soir. Je vous souhaite bonne chance tout le monde. On ouvre ça. C'est l'heure. C'est l'heure. On enlève le ciel. On va préparer nos petites photos ici pour vous montrer quel jersey on a. Et qui est-ce qu'on a ce soir? Bonne chance tout le monde. Quelle couleur? Quelle couleur? Oh! Oh! C'est qui dans ça? Oh my God! Oh my God! On a-tu lui pour vrai? Oh, wow! Je vais vous leur dire encore, OK? Mais la troisième série de B-Box, celle-là, là, c'est la plus haute, selon mon opinion à moi, c'est la plus haute qu'on a faite jusqu'à date. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre à me mener en voyant les jerseys. Vous allez peut-être vous dire, « Ah, j'aurais dû embarquer. » C'est vous autres. C'est à vous autres la conscience. Vous ne pourrez pas dire, je ne vous l'ai pas dit. Êtes-vous prêts? Let's go, je vous montre ça. Oh my God, il est magnifique. Magnifique. Attendez que je vous montre la photo de ça. Regardez ça. C'est drôle parce que ça a sorti tantôt. Regardez ça. Mats Sundin. Oh my God. Checkez ça, le gilet. Pouf. Oh, quel capitaine des Leafs. Quel autographe en plus. Je vous montre ça ici dans le 3 en haut. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra. Magnifique. Louis-Philippe qui, avec ses suggestions, paf, sort le jersey ce soir. Mats Sundin. My God. Louis-Philippe, félicitations. Vous venez d'acquérir un jersey autographié de haute qualité. Merci pour votre soutien et profitez pleinement de votre nouvelle acquisition. My God. What a jersey. Mats Sundin ce soir. L'authentification, by the way, c'est Memorable Authentic pour ce jersey-là. Vous devez les connaître avec Francis. Ils font un job exceptionnel. Oh! Incroyable. Incroyable. Alan nous fait un poisson d'avril. Il n'y a pas de jersey. Ça aurait été pas fin, ça, Denis. Ça aurait pas été fin faire ça. Colibine. Il n'y a pas de rep, Louis-Philippe. Ce sont des authentiques. Les seuls reps qu'on avait dans la série 2, c'était les Pavel Buré. Dans cette série-là, si ma mémoire est bonne, je pense qu'on n'a pas de rep. Quand on en a des reps, c'est parce que les authentiques sont pas achetables ou pas trouvables. Laisse-moi vérifier que ma liste, au pire, tantôt, mais je me rappelle pas par cœur, là. Faudrait que j'aille voir sur mon listing, mais si on en a, c'est parce que sont soit pas trouvables ou pas achetables, sinon ce n'est que des authentiques, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est que des... Ah ben merci Phil qui est encore là finalement. Phil, merci. Alors c'est confirmé, Louis-Philippe, c'est des authentiques. Voilà, c'est bel et bien un authentique de Mats Sundin. Allons-y avec le wrap-up pour le 28-02. Qu'est-ce qu'on a eu dans ce break-là? On a eu le checklist de Cider et Raymond. Poulain, les Pingouins, Eklund pour les Sharks, POE de Power pour Buffalo, accompagné de sa fluorescence en jaune. Jimmy, pas méchant ce break, accompagné de Caulfield, ici le Canadien, toujours pour Jimmy Tremblay, Montréal, Cole Caulfield, Young Guns Canvas, sans oublier le magnifique jersey de ce soir. Oh, Mats Sundin, superbe pour les Leafs de Louis-Philippe Dupuis. Buré était l'exception de la série 2. Ouais, c'est ça, exactement. C'était le seul parce que les Pavel Buré sont pas trouvables ou pas achetables en authentique. Puis je dirais que les répliques de Buré vendent le même prix que les authentiques de certains autres joueurs. Fait que c'est les seules exceptions qu'on a eues. Merci Phil pour la précision, c'est super apprécié. Fait que c'est confirmé, Louis-Philippe, c'est bel et bien authentique. All Jersey, c'est authentique ce qu'on a. Ben voilà, c'était le fun de même. Ça valait la peine d'attendre. Hein? Colibin, what a hit pour les Leafs. On s'en va en mode grosse face maintenant, on est prêt. 22-01, on me surnomme Alan Buffer. Merci tout le monde d'avoir été là pour le dernier de ce soir. On se revoit demain pour les prochains hockey. On fait les préfils, SP Game News aussi, soyez prêts. Et on a aussi un beau baseball en cours. Allez voir ça, spécial Bowman. 6 box au menu, entre autres, multi-années. Ça va être assez plaisant, merci. Là-dessus, je vous quitte, ça fait plaisir, Snake. Merci, Jimmy. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, tout le monde. Une belle nuit si des fois vous allez vous coucher. On se retrouve demain pour les prochains breaks. Merci beaucoup. Salut.